voilà, ça y est, ma première vidéo sans maïs. Donc, je vais démarrer piano piano. Deux recettes très simples. J'ai choisi d'utiliser le micro-vap, appelé aujourd'hui Urban Family. C'est un outil de chez Tupperware que j'aime beaucoup, car il permet de cuisiner du salé comme du sucré. Et aujourd'hui, ce sera tout chocolat. Découvrons ensemble avec le jeu de la semaine. Savoir si j'ai réussi sans ma cuisinière préférée, ben regarde la vidéo jusqu'à la fin. Lavage de mains et go cuisine! Pour les mini, il faudra 125 g de chocolat, 100 g de beurre, 100 ml de sucre, 3 œufs, 50 ml de farine, 2 ml de vanille liquide et une poire. Dans le pichet micro-cook, je mets le chocolat, le beurre et je ferme. Ça part au micro-ondes 1 minute 30 à 750 watts. J'ajoute le sucre et les œufs, je mélange à la spatule. J'ajoute la farine, la vanille et mélange bien le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. J'épluche et coupe la poire en 8 morceaux. Je répartis la pâte dans les 8 ramequins et ajoute la valeur d'un morceau de poire coupé en dés dans chacun d'eux. Je remplis le réservoir du micro-vap avec 400 ml d'eau. Je pose la passoire inférieure, place les ramequins et pose le couvercle. Ça part au micro-ondes 15 minutes à 600 watts. Je retire le couvercle du micro-vap dès la fin de la cuisson. Attention! Cette recette part en cuisson ramequin ouvert, donc sans leur couvercle individuel. Pour le gâteau, il faudra 125 g de chocolat, 60 g de beurre, 3 œufs, 75 ml de sucre, 25 ml de farine et une pincée de sel. Dans le pichet micro-cook, je mets le chocolat, le beurre et je ferme. Ça part au micro-ondes 1 minute 30 à 600 watts et je laisse reposer 2 minutes. Je mélange au fouet souple afin que la préparation soit homogène. J'incorpore successivement le sucre, les œufs, le sel et la farine. Je verse 400 ml d'eau dans le réservoir. Je pose la passoire inférieure vide, puis place l'insert et y verse la pâte. Et enfin, je pose le couvercle. Ça part
au micro-ondes 15 minutes à 800 watts. Ah, ben voilà, j'ai réussi. Quoi? Quelque chose ne va pas? Bon, maman, je vois pas du tout ce qui cloche. En tout cas, deux belles recettes dans le micro-ondes avec ces deux accessoires additionnels. Et là, il ne me reste plus qu'à déguster. Je pense que Maëlys va faire une petite pause dans son travail, la canaille. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.